partager. Franchement, la star, être star, là, c'est pas facile. Hein? Jésus. Partager. Anawam, ma lance ma queue. Isani, Isani. On va me demander les droits d'auteur sur ça. Sango passe, tu vas me demander les droits d'auteur. Je vais prendre ça. Isani, Isani, Isani. Ma lance ma queue, ma lance ma queue. Partager, partager, partager. On a moins d'une heure de direct parce que je dois partir, j'ai des choses à faire. Parce que vous, les followers derrière les réseaux sociaux, là, vous êtes un jar. Franchement. Parce que moi, je vais marcher, je vais fonctionner avec vos caprices, wesh. Ah ben non. Hein? Ah ben ouais, ouais, non. Mère Beauté, bonjour. Enesi Nebouambane, bonjour. Ma sœur à moi. Partagez. Bipez tout le monde. Bipez. J'ai dit tout le monde, même les ténébreux. Je vais mettre certains points sur les i. Et puis, je n'en reviendrai plus dessus. Donc, bipez-moi tout le monde. Partagez pour que ça arrive jusqu'à au fin fond de Kundum. Ça arrive à Kundum. Si je pouvais, oh bébé. Chevalière Lomagina, la BS de quelqu'un, maman. Pas les vrais BS. Pas les BS 2 à 5 francs. Pas les BS en carton. Ah, c'est les BS bétonnés. Les chevalières, leur magina. Ah, c'est les BS bétonnés. Ils sont faits en béton. Tu fais n'importe comment, on ne les enlève pas derrière moi. Pas les BS en carton, là. Le carton, dès qu'il pleut sur ça, ça fait comme ça, waouh. La tigresse des tigresses, la maîtresse, ma fille à moi, partagez. Je vais voir toutes mes filles ici. Toutes mes filles, même ceux qui sont en faux profil, je vais vous voir. Ceux qui sont en vrai profil, ceux qui sont en faux profil, je vais vous voir tous. Bipez tous mes filles, même Ashley la Lyonne. Ça chauffe même pas. Est-ce que ça peut même chauffer, chevalière? Merde. Maman, le tribalisme, là, c'est forcé. Quelqu'un vous dit que je ne veux plus être tribaliste. Mais j'ai été tribaliste, je ne veux plus être tribaliste. Ça devient la force. Vous me forcez à demeurer tribaliste. Aïe. Quelqu'un goûte à quelque chose. Tu dis que je sors de ça, le goût de ça n'est pas bon. Ça devient la force. Que tu vas sauf que rester dedans, Rora. Aïe, j'ai eu affaire. Tribalise, ah bah forcer. Ah bah force. C'est la force. Vous voulez me forcer. Ni me forcer, mais. Hein? Hey. Azambo ama. Bonjour Mireille Tépé. Bonjour Angèle Pierrette. Fabi Patience Fernand, bonjour. Partagez le live. Je vais parler, même pas. Parce qu'il faut que je tape. Je donne un coup de pied à la fourmilière. Et puis je passe à autre chose. Ouais. Vous voyez que quand nous on veut jouer les stars, on sait bien les jouer. Hein?
Ça, c'est un foulard Gucci. Ça, c'est les lumières, les lunettes Gucci. Oui. C'est Gucci à effectuer, hein. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que les stars, là, nous tous, on peut jouer aux stars. Quand on veut. C'est quand on veut. Quand on veut. La platée. Ah ouais. Voilà à cause de ça qu'on veut me tuer. À cause de la publicité. La publicité passe au ras. Waouh, vous savez même, après combien d'années de souffrance, dans petit, dans supportation, dans essuyer les injures, j'arrive là où j'arrive. Hein? Chloé Man, bonjour. Nomi Longo, bonjour. En tout cas, déjà. Vous voulez qu'il me mette debout? J'ai déjà. L'amour est doux, l'amour est chou. L'amour n'a pas de puissance. Si je pouvais, oh bébé, je construirais un monde. Qui potait à le nom du Père Jike. Je lui ferai 20 enfants, 30 enfants, 50 enfants, et les jaloux vont mourir. Oh. Kejou, Anna, comment tu vas? Tu es sortie du tribalisme et ça te va bien. Maman, est-ce que ça va mal? Maman? Vous voulez me forcer à rester à quelque chose qui me détruit. C'est forcé. Aïe. C'est forcé. C'est pas forcé. En tout cas, je suis belle. C'est forcé. Mais il y a beaucoup d'autres tirés de là-bas du tribalisme. Allez là-bas, Norma. Hein? Anita Nice, bonjour. Ils sont nombreux là qui font les directs du tribalisme. Allez là-bas. C'est comment? Naya, moi je n'ai pas ces forces. Je suis trop, ça dit que, hein? Oui, j'ai un cœur de poulet, j'accepte. Et vous savez très bien qu'on ne m'achète pas. Bon, comme je dois partir, vous êtes déjà 72 personnes connectées, je lance mon direct. Aïcha, Michou, c'est. C'est qui là? Antiana Madou, Aïcha Madou, bonjour. Sans plus tarder, je lance mon direct. Parce que je dois partir, j'ai des choses à faire. Je suis quand même Madame Diké. En vrai, voilà. Comme vous cherchez toujours à vous balancer le faux pour le vrai. Parce que vous voulez le vrai là. Je suis Madame Diké. Officiellement. Je ne discute ça avec personne. C'est ce que je suis, c'est ça. Menthe poivre, bonjour. Bon, sans plus tarder, je commence. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui me font le plaisir de me suivre. Bonjour à tous mes roses et mes rosés. Bonjour à tout le peuple de la lumière. Bonjour aux sympathisants, même certains sympathisants de la ténébrie qui sont là, ils m'aiment. Ils m'aiment. Ils meurent, ils brûlent d'amour pour moi. Mais c'est plus fort que tout ce que je peux vous demander, c'est de sortir des ténèbres. C'est tout. Et maintenant, quand je dis ça, Valérie Ball, bonjour. Quand je dis ça, moi, je vais passer un message ici. À vous, les lumineux, vous qui avez la lumière en vous, quand vous me regardez là, vous me connaissez ici depuis des années, je suis quelqu'un qui tape sec. Quand je suis, je suis. Quand je dis que je ne suis plus, je ne suis plus. Et quand je dis que je suis encore, je suis. Vous me connaissez. Mais pourquoi est-ce que vous doutez un instant? Et si je suis quelqu'un qui fait les choses sur le pont-dit? Depuis que vous me connaissez sur la toile là,
Est-ce que moi je fais le solopondi? Peut-être vous ne connaissez pas ce que ça veut dire solopondi. Solopondi, c'est en toi là. Hein? Est-ce que je fais les biabam pour s'asseoir? Est-ce que moi je suis dans les biabam pour s'asseoir? Moi, c'est pour moi, c'est bain, bain, bain. Quand c'est blanc, chez moi, c'est blanc. Tu ne vas jamais me convaincre que c'est rouge quand moi-même je ne suis pas convaincue que c'est rouge. C'est quand je suis convaincue que c'est rouge que moi je vais te dire que oui. Maintenant, j'ai encore bien regardé. Hein. Je vois que c'est rouge quand je veux. Est-ce que moi je fais le solopondi? Je ne suis pas dans le solopondi. Je ne suis pas dans le solopondi. Ou c'est ça ou ce n'est pas ça. J'ai dit que je ne suis plus dans les ténèbres et personne ne va me forcer à y rester. Je suis électron libre, mais dans la lumière. Vous ne comprenez pas quoi dans ça? J'ai dit électron libre, mais dans la lumière. C'est-à-dire que je ne prends pas d'ordre de mafou. Je ne prends pas d'ordre de compresseur. Compresseur peut être en direct, je lance mon direct. Mafou peut être en direct, je lance mon direct. Les followers se partagent souvent ici. Ils font les tours, ils partent, ils regardent 5 minutes là-bas, ils reviennent ici, ils regardent 5 minutes. Mais je suis dans la lumière. Mais si Mafo et Compressor sont en difficulté et je me rends compte qu'ils sont acculés, que c'est eux qui ont raison, je vais poser mon téléphone et je vais les apporter mon soutien, comme ils ont fait avec moi. Mais si je regarde la chose et je me rends compte qu'ils n'ont pas raison, soit je ne me prononce pas, soit j'entre dans les différents téléphones et je leur dis que, franchement, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais à ce que je constate que c'est des dames qui ont décidé de passer à autre chose, de changer. Mais vous ne les aidez pas. Vous passez le temps à les taper les bâtons sur les roues. Et au moins, ces dames-là, ils se sont remis en question. Ils acceptent que oui, on a fait du sale. Oui, ma copine, regardons-nous, hein, vraiment, on a fait du sale. Déjà, accepter ça, c'est applaudir. Mais passons à autre chose. On a pris de l'âge, avançons. Eux, au moins, ils acceptent ça. J'ai dit, eux, au moins, ils acceptent ça. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Je suis en train de voir maintenant votre acharnement. Vous voulez déjà ramener ça ailleurs. Vous voulez la faire tourner. On voit où vous voulez déjà que ça atterrit. Mais nous, on est prêtes. Quand ça va atterrir, là, vous aurez la réponse qui va avec. De ma part. Vous aurez la réponse qui va avec. Et maintenant, je vais parler d'une non-événementielle. S'il vous plaît, mes roses et mes rosés, vous qui me suivez depuis des années, vous qui me connaissez, vous qui connaissez mon fonctionnement, je ne suis pas quelqu'un qui fait dans le solopondi. Quand ça ne va pas, étape 7 et puis je passe à autre chose. Il n'y a aucune non-événementielle qui vienne de moi. Parce que je suis sur Meta depuis. Et Meta, je connais les rouages de Meta. On n'a pas la science infuse, je sais. Mais je connais quand même les rouages de Meta. Et laissez-moi vous dire que les gens qui me connaissent en vrai, ils savent que sur les réseaux sociaux, je suis un personnage. Et dans la vie réelle, je suis un autre personnage. Les gens qui me connaissent en vrai, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. La personne qui peut un jour, si elle pose son téléphone, elle vous dit que votre rose, elle va la verser aujourd'hui. Vous tous, vous la connaissez. Je n'ai plus besoin de la prononcer. Vous la connaissez. Si un jour vous voyez cette personne, elle pose son téléphone, commencez à faire mon deuil. Mais pas les noms événementiels quand même, vous aussi. Vous me fatiguez. Je reçois les coups de fil, oh, ne fais plus ceci. Attends. Mais les gens, je cherche sur Beta, les gens font faire le buzz. Mais laissez-les faire le buzz. Hein? Je dis et je répète, la personne, que si un joueur pose son téléphone, mais je touche du bois, je sais que ça n'arrivera pas. Un jour, vous la voyez poser son téléphone et dit que votre rose là, j'ai décidé qu'aujourd'hui j'ai fini avec elle. Là, vous pouvez commencer à acheter mon cercueil, acheter mon habit, commencer à organiser mes funérailles en même temps.
et vous connaissez la personne. Je n'ai pas envie d'énumérer le nom de la personne. Vous connaissez de qui je parle. Donc tout le reste est là. Tout le reste est là. C'est le tchat à vous. J'ai dit que c'est le tchat à vous. C'est les mangourumbete. Tout ce que le reste que vous voyez là, c'est les mangourumbete. Prenez ça comme ça, comme les mangourumbete. Sont quand vous voyez même rien. C'est pour ça que hier, dans le direct du caméra, on dit que oh la rose, mais je dois pleurer, ma. Qu'est-ce qui va me rendre triste là? Je pleure et pleure quoi? Hein? Et il y a j'ai vu les gens parce que un homme événementiel aurait dit que je suis avec mon homme, ma moitié, mon épaule. Que quand c'est chaud, c'est pour ça qu'il m'appuie comme ça là. Et vous-même, vous l'avez vu, hein? C'est un conteneur. Maman, ça dit que je peux m'appuyer sur lui jusqu'à le feu sort. Que je suis avec lui pour les factures, mais c'est déjà une bonne chose. Au moins, on reconnaît que c'est un homme. Oui. On reconnaît que c'est un homme, donc il paye les factures, c'est déjà bon. Parce qu'avant, j'aurais cru que c'était un gigolo. Donc, quand vous reconnaissez maintenant qu'il n'est pas un gigolo, c'est déjà une bonne chose. Mais pourquoi vous prenez la tête? Si j'ai déjà allé pour les factures, le problème, c'est normal, c'est sa maison, il doit payer ses factures. Un homme doit s'occuper de sa femme et de sa famille. Il y a quoi de mauvais là-dedans? C'est même un éloge de sa part. Attends, c'est toutes les femmes qu'on assume. Parce que moi, mon homme m'assume. Réveille lui-même à 4h du matin devant lui que c'est qui ta chérie? Il va te dire, c'est Emine Ndale, la rose du 237. Même à 2h du matin, tu le réveilles, il va te dire la même chose. C'est toutes les femmes qu'on assume. Hein? On assume les femmes de valeur. On assume les femmes. Ça dit, on assume les femmes. Ça dit, quand tu marches en route, tu es fier de dire que. Oh. Hein? Oui. Avec les lunettes. Attends, je vais me donner la. Attends un peu. Je vais me donner l'heure là ici à qui. Je voulais même dire, ah, voilà. On dit qu'on ne fabrique plus. Les mauvais esprits qui se baladent chercher la fabrication. Tu viens chercher la fabrication le matin dans le direct de qui? Chouan, souffle de me voir belle. T'as vu les dents blanches. Pouinga qui prend le... Je prends le café. Bien aligné. Mais les kebabato, je vous vois. N'a même bien. Vous êtes les baki. Hein? Donc vous-même, quand vous me regardez là, une non-événementielle va venir me déstabiliser, moi. Elle passe par où pour me déstabiliser. Une non-événementielle, maman. Ne donnez plus l'heure là-bas. C'est parce que vous-même... Attends, vous continuez à aller donner les vues là-bas. Quand vous entendez qu'elle est en direct, ne partez pas. La femme, tu sais que tu es mon fils, que je t'aime bien, non? Mais s'il y a un truc que je n'aime pas, c'est quand on vient me donner des injonctions. Parce que tu sais que je suis quelqu'un de très responsable. Tu le sais. D'accord? Voilà. La femme, tu es mon fils. Je t'aime bien. Mais ton commentaire là, n'a pas sa place dans mon direct. Ce que tu devrais faire, tu devrais envoyer des cœurs à ta mère. Rien ne m'arrive. Je défends mon intégrité de femme. Voilà. Hein, mon fils, tu sais que je suis ta mère. Tu peux entrer dans mon inbox. Si tu as des choses que tu ne comprends pas, tu me les dis dans l'inbox. Hein, mon fils, voilà. Tu sais très bien que je t'aime. Voilà. Et je t'apprécie beaucoup. Voilà. Je suis la seule qui t'a... Quand tout le monde était contre toi dans l'église de la pornographie. Hein? Maman? Que moi?
le sucre de mon tapioca. Hey! Maman, le conteneur que j'ai derrière moi là. Maman souffrait. Ça court pas les rues. Vous êtes là, vous avez tous besoin de ça. Parce que vos moubans, ils ne vous satisfait pas. Bec, 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 bec. Bic, bic, quoi, 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 caca, cac. Hein? Donc, mes rosés, sympathisant avec peuple de lumière, ne gérez plus les noms événementiels, je vous en prie. Les noms événementiels, là, ne les gérez plus. Et puis, moi, je suis une femme qui assume. Si les noms événementiels ont quelque chose qui m'aide, je vais assumer. Je vais assumer, en quoi assumer. Quand toi, tu es sur Meta, quand tu décides de venir t'asseoir sur Meta, tout ce qui arrive, il faut avoir le dos large. Et le dos large, je l'ai. J'ai le dos large. Donc, tout ce qui peut venir après, j'assume. Mais j'ai dit que je suis dans la lumière, Wora. Je ne suis pas TKC. Je ne suis pas abeille, mais je suis dans la lumière, Wora. Oui. Ces deux femmes-là m'ont tendu la main quand ils étaient dans le besoin. Et si eux-mêmes, ils sont en difficulté, je vais faire les palabres que Piangam, je ne demande la permission à personne. Je vais faire les palabres. Et je ne vous demande pas votre permission. Parce que quand vous m'avez mis dans la merde, et ils ont été là pour moi. Oui. Si aujourd'hui, ma page a pu débloquer jusqu'à j'ai les publicités, c'est à cause de ces deux femmes-là. Oui, parce que rien que le passage de Mafo dans mon direct, ça se partage jusqu'à... Ça arrive à Mongo Fouet, ça arrive à Tataoui les Ombrettes, ça atterrit dans le village de Njimtet à Bassamba. Ça part jusqu'à Barante les Kribi. Mais Zuckerberg même s'assoit là-bas, il dit que hey, voilà une page où on peut mettre les publicités. Hein? C'est pour ça que j'ai les publicités. Vous savez, depuis quand ma page est éligible, hein? Vous savez, depuis quand ma page est éligible, où je pouvais déjà avoir la monétisation complète. Je disais que ici, que, oh, pardon, partagez, oh. Je faisais que crier que, ouais, partagez, non, quand je suis en direct, partagez. Partagez pour que les publicités commencent à passer. Partagez pour que les publicités... Qui partageait? Je pouvais faire un direct comme ça le matin, j'ai 115 personnes. Non. Je ne pouvais pas. Mais depuis que les deux femmes là, quand je suis en direct, ma pépé met dans son direct. Elle partage sur sa page. Ma foi est entrée dans mon... Deux fois, elle est entrée. Et quand l'entrée vient avec voix, il dit que Zuckerberg me met. Il dit qu'il est qui? C'est encore qui ça? La monétisation a seulement déclenché que n'a pas. Voilà ça. Publicité dépassée. On vous a dit que moi je suis une ingrate. Vous me parlez de l'argent. Moi, m'achète. Quand vous me regardez là, je ressemble à une femme qu'on achète. Regardez-moi bien. Je suis une femme très fière. Et c'est ma fierté qui fait ma force. La non-événementielle a demandé lui combien de fois elle m'a dit que oh, moi, elle n'aime pas envoyer les étoiles. Fais un PCR. J'ai fait, moi. J'ai fait. On ne m'achète pas. Je suis trop fière. Je sais me contenter de ce que moi, je gagne. Et je travaille pour en gagner plus. Quand on dit qu'on aide quelqu'un, voilà comment on aide quelqu'un. On booste quelqu'un. Moi, je n'aime pas qu'on me donne du poisson. Parce que la personne qui te donne le poisson te tient. Parce que le jour où il ne t'en donne plus, tu ne manges pas. Moi, je suis de ce genre de personne. Je n'aime pas quand on me donne du poisson. Je préfère que tu me montres là où il y a le poisson, là, moi, mais pas pêcher. Et c'est ça qui fait ma force. Vous avez compris? Donc, ces deux femmes m'ont boosté. Ma page travaille là. Quand ça travaille, quand Zuckerberg va payer là, c'est dans mon compte que ça va entrer. C'est pas dans leur compte. Hein? C'est pas dans les comptes.
Donc, soyez reconnaissant dans la vie. Moi, je ne suis pas le genre qui attend qu'on lui donne le poisson. Ton poisson, là, tu vas me le tendre de 10, 50 000 fois. Il va peut-être dire que si tu ne peux pas me montrer là où il va aller pêcher ma part, tu le laisses. Montre-moi là où il va aller pêcher. Moi-même, je pêche. Parce que quelqu'un qui vient tout le temps te donner le poisson, c'est quelqu'un qui veut te tenir. La personne veut te tenir. La personne veut que tu sois seulement là. Quand il dit que garde-boue, tu fais garde-boue. Quand il dit que marche, tu marches. Non, moi, je ne suis pas de ce genre. Ça veut dire que tu veux m'apporter un coup de main. Tu me montres là où on pêche le poisson. À la rigueur, je peux accepter que tu, si je n'ai pas les moyens pour m'offrir la maison et la canne à pêche, je peux encore accepter que tu me les offres. Et quand je vais pêcher mon poisson, mon premier poisson, quand je vais le vendre, je te remets ton argent de ton maison et de ta canne à pêche pour ne pas te être redevable. Vous avez compris? Voilà. Et ma faux, et compresseur, ils ne m'ont pas donné le poisson. Non. Ils m'ont amené à aller pêcher mon poisson moi-même. C'est-à-dire, ils ont boosté ma page. Ils ont déclenché ma page qui était bloquée. Ils l'ont déclenché. Je ne peux pas ne pas être... C'est-à-dire que je ne peux pas être avare et dire parce que ma page là est lisible depuis. C'était le manque de partage et de like qui faisait que les publicités ne passent pas. Et nous tous, nous savons que la clé de la monétisation, c'est les publicités. Les étoiles ne servent rien. Les étoiles ne payent pas. Les étoiles, là, c'est où? La monétisation, c'est la publicité. À partir du moment où tu as les pubs, tu es monétisé. Les étoiles ne payent pas. Parce que les étoiles, je crois qu'on dit que c'est 10 000 étoiles font 100 dollars. Et quand tu n'as pas atteint les 10 000 étoiles, on ne te paye pas. Facebook les met dans une banque. Je vous explique. C'est-à-dire, le mois, tu dois faire 10 000 étoiles pour qu'on te donne 100 dollars. Et si tu n'as pas fait 10 000 étoiles, le mois là fini que tu n'as pas fait 10 000 étoiles. On ne te donne pas l'argent là. Facebook prend tes étoiles là, il met ça à la banque. Jusqu'à quand tu vas atteindre 10 000 étoiles et puis te les paye. Donc la monétisation, ce n'est pas les étoiles. La monétisation, c'est la publicité. Je vous ai dit de ne pas gérer la non-événementielle là. La non-événementielle, je l'ai vue là. À partir d'aujourd'hui, chez moi, elle est une non-événementielle. D'accord? Vous ne gérez pas la non-événementielle. Le tribalisme, là, c'est une maladie que tu peux t'en guérir si tu veux guérir. Oui. Et moi, j'ai pris la potion pour guérir de ça. Voilà. Ce n'est pas forcé. Il y a plusieurs pages là-bas où tu peux aller faire ton... Vous pouvez faire votre tribalisme. Moi, j'en veux plus. Hein? Le tribalisme, il y a la potion pour guérir de ça. Si tu veux guérir de ça, je peux t'aider. Mais je me rends compte que tu n'as même pas envie de guérir. Donc, ma chérie... Non, je ne peux pas la bloquer. Elle va rester là pour souffrir. Oui, mais moi, je suis dans la... Je ne refuse pas non événementiel. Mais je suis dans le processus de guérison. Pourquoi tu veux gâter ma processus de guérison du tribalisme? Mais laisse-moi. C'est comme quelqu'un qui est en cure de désintoxication. Et chaque temps, tu veux lui ramener la drogue. Attends. Heureusement que je suis bien entourée. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, wesh? Hein? Quelqu'un qui est en cure de désintoxication. Et chaque fois, tu viens passer devant lui avec le nez de pas. Hein? Tu viens passer devant lui avec le foufou.
Moi, je suis en cure de désintoxication et ça me va plutôt bien. Hein, quand je me regarde, là, ma loi regarde le matin, bon, je suis fauchée. Fauchée. Ma chérie, passe avec. Va chez tes parents là-bas. Moi, je suis en train de me désintoxiquer. Mais je me désintoxique. Accepte-le. Fais-toi une raison. Ça ne sera plus ici. Mais regardez ma foi, ma pépé, c'est l'exemple même du vivre ensemble. Hein? Hein? C'est l'exemple même du vivre ensemble. C'est l'exemple même du vivre ensemble. Voilà. Donc, ne me gérez pas la non-événementielle là. Moi, je ne gère pas les non-événementielles. Bonjour, m'a dit Bébella. Toi, tu es la bienvenue dans mon direct. Tu es ma sistou. Mais l'autre non-événementielle, elle n'est pas la bienvenue ici. D'accord? Voilà. Donc, sur ce, sans plus tarder, je vais partir, je vais baquer à mes occupations. S'il vous plaît, ne gérez pas cette non-événementielle. Hein? Cette non-événementielle, elle n'a rien. Rien. Je dis que rien. Voilà. Il y a une seule personne, je vous répète encore. Une seule personne. Quand vous allez voir cette personne mettre son téléphone un jour, dit que hey, votre rose là, aujourd'hui est finie avec elle. Commencez à faire mon cercueil. Je ne te bloque pas parce que je veux que tu vois mon élévation. Je te bloque pourquoi? Je ne te bloque pas. Tu vas me voir et tu souffriras de me voir. Maintenant, dans les commentaires là-bas, vous allez vous gérer là-bas. Voilà, vous allez vous gérer là-bas dans les commentaires. Merde. Te bloquer, ce sera un lâche. Il faut que tu me voies. Tu vois comment il brille. Quand il lance le direct, tu es là. Tu regardes ta patronne. Hein? Comment ta patronne a brillé. Comment ta patronne est heureuse. Comment ta patronne est à l'aise. Oui. Moi-même, je commence même à les supprimer. Ne te bloque pas. Tu commentes, ça m'énerve, ça ne me dérange pas. Je supprime. Voilà. Et à partir de demain, ma modératrice va le faire ce travail. Do you understand what I'm saying? Voilà. Je suis, c'est pas forcé. Tu connais les murs du tribalisme. Là où tu dois, tu peux aller là-bas. Voilà. Tu mets qui au boulot? Donc, sur ce, mes amis de rose et rosée, c'est ce que je tenais à vous dire ce matin, que votre rose, vous pouvez dormir tranquille. Ne m'envoyez plus les messages quand vous voyez cette non-événementielle en direct. Elle se cherche. Ne m'envoyez plus les messages que wow, wow, wow. J'ai dit que rien, rien, rien de chez rien. Ouais. Dormez tranquille. Non-événementielle. Vous-même, vous avez vu qu'elle a enlevé Rose. Elle est non événementielle. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, sans plus tarder, je vais vaquer à mes occupations. Je vais aller gagner, je vais aller pêcher mon poisson, comme je sais très bien le pêcher. Voilà. Parce que la non événementielle a cru qu'elle pouvait m'acheter. On ne m'achète pas, ma misa. Vos façons de faire là. Il faut aller faire ça avec les gens qu'on achète. Moi, là, on ne m'achète pas. Je connais pêcher le poisson. D'accord? Je t'appelle pour faire quoi avec toi? Je ne t'appelle pas. Je suis désolée. Je t'ai dit que tu es non événementiel. Mais moi, je suis pas. C'est lui, c'est lui. Moi, c'est pas. Moi, c'est pas. Ça fait pas partie.
Tous ceux qui me connaissent dans les réseaux sociaux depuis des années, ils connaissent mon fonctionnement. Est-ce que moi, c'est du camin? Moi, c'est pas, je ne suis pas du camin. Je dis que je peux être comme je suis, mais mon côté, ça, voilà, il est là. On ne m'achète pas. Moi, on ne m'achète pas. Je suis désolée. C'est là où beaucoup n'arrivent pas à me piéger parce qu'on ne m'achète pas. Beaucoup n'arrivent pas à me piéger parce que je ne suis pas achetable. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une très bonne journée. Je m'en vais pêcher mon poisson. Merci à la personne qui m'a Cathy pour tes 500 étoiles. Que Dieu te bénisse et qu'il te les rende au centuple. Voilà. Et je vais vous faire comprendre ici que les étoiles. D'abord, vous m'avez vu, c'est quand je suis en direct, je ne dis pas qu'envoyer les étoiles, envoyer les étoiles. Parce que les étoiles, c'est comme le farotage. C'est comme quelqu'un qui prend son micro, il chante. La chanson touche la personne et la personne te farote. C'est ça les étoiles. Ça dit que quand tu dis quelque chose, la personne se reconnaît dans ce que tu as dit, ça touche la personne et la personne te farote. C'est le farotage. Donc, c'est difficile que vous me voyez là. Je dis que, oh, envoyez-moi les étoiles. Non. J'écris ça parce que tout le monde écrit. Vous avez compris, non? Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Dans la paix. Et je dis encore, et je répète, je suis dans la lumière. Je ne suis pas décassée, je ne suis pas belle, mais je suis dans la lumière. Si Marfo et Pepetu sont acculés, je mets mon téléphone et je les soutiens. Wow. Si c'est eux qui sont dans la raison, merci Jocelyne Wallet pour tes 50 étoiles. Que Dieu te les rende au centime. Que Dieu te les rende au centime. Toi, si tu commentes encore, je vais te suspendre jusqu'à la fin de mon direct. C'est ce que je vais faire avec toi maintenant. Waouh, Justine et Wallet, merci pour tes étoiles. Merci. Que Dieu te les rende au centuple. Donc, dormez tranquille. Je ne suis pas quelqu'un qui vomit et qui remange. Quand j'ai vomi, j'ai vomi. Voilà. Comme ça, tu vas nous laisser finir notre direct en beauté. Hein? Merci, Justine et Wallet, pour les étoiles. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Tu peux travailler. Elle est suspendue. Elle va nous laisser finir notre direct tranquille. Vous ignorez que je suis sa patronne. Sa ex-patronne a passé là, mais là, elle est non événementielle. Voilà. Non événementielle. Sur ce, je tenais à faire ce direct pour vous, mes roses et mes rosés, mes sympathisants. Hein? Mes sympathisants et tout le peuple de la lumière, tous ceux qui ont l'onction de lumière en eux. C'est pour vous que j'ai fait ce direct. Bonjour Sandrine et Sumba. Pour vous dire que dormez tranquille. Même si elle vous entendait qu'elle entendait et dit que wow, wow, wow. Je dis, il y a une seule personne et vous connaissez de qui je parle. Je n'ai pas envie de vous dire que vous connaissez de qui je parle. Il n'y a que la personne là. Parce qu'elle entre chez moi, j'entre chez elle. Il n'y a que elle que si un jour vous la voyez. Et ce n'est pas prêt à arriver. Que vous la voyez, elle a mis le téléphone, que wow, votre rose là est finie avec elle aujourd'hui. Commencez à acheter mon cercueil. Merci pour les étoiles, Sandrine et Sumba. Mais la non-événementielle là, laissez-la faire son djoumdjoumia. Hein? Laissez-la faire, c'est les mangourumbete. Tout ce qu'elle fait là, c'est les mangourumbete. C'est le rololo mbambam. Elle s'embrouille, elle court dans le sac. Elle est non événementielle, puis ça chauffe pas. C'est comme ça.
non événementiel. C'est ça qui la pique. J'ai coupé de l'herbe sur son sol. Je l'ai coupé de l'herbe au pied. Oui, elle se sentait à l'aise quand elle venait ici. C'est fini, c'est terminé. Fais ça sur ta page. Ou bien tu pars chez tes parents. Tu as tes parents partout là-bas. Et ce n'est pas le direct de tribalisme qui manque. Va là-bas faire ça. Ici, là, à partir d'aujourd'hui, je prône le vivre ensemble. Dans la lumière, on prône le vivre ensemble. Tout le monde est bienvenu ici. C'est une page ouverte à tout le monde, à l'Afrique. Je suis d'abord panafricaine, même à la base. C'est quoi? Le tribalisme, là, c'est forcé. Quand les gens disent qu'ils ne veulent plus être tribalistes, laissez-les. J'ai goûté à ça. Ce n'est pas bon. C'est trop amer. Je n'ai plus envie. C'est quoi? C'est la force? Ah ben, force ça. Ah, force ça. Et ton mieux, la one est tombée. Et ton mieux était. J'ai goûté à ça. C'est amer. Hein? Effectivement. J'ai dit non. J'ai taillé l'herbe. J'ai coupé. Waouh. Faut aller faire ça là-bas. Il y a tes soeurs, il y a plein de tes soeurs là. Ou bien tu te mets sur ta page. Au lieu de parler de moi, tu prends ton tribalisme. Aïe, c'est comment? C'est comment? Le tribalisme là, c'est trop amer. Franchement, ça ne passe pas. C'est quelque chose qui ne passe pas. D'accord? Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée dans la paix. Je vais à mes occupations. Je vous remercie tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles pour vos 450 étoiles. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Je demeure. Je suis emprunté, signé. Ça dit que Barata dans la lumière. Une place dans la lumière. Voilà. Apprendre à la laisser. Celui qui n'est pas content de ma position actuelle, tu connais la porte. Tu connais la porte. Je ne suis pas là pour djoum djoum. Donc, ne souffrez plus. Hein? Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée dans la paix du Christ. Je m'en vais. Au revoir. Elia, j'ai repassé ta tenue. Hein? Voilà ça ici. Moi, je suis mère de famille. Vous avez compris. Je m'occupe de mon mari, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon boulot, je m'occupe de mon petit commerce. D'ailleurs, cette semaine, j'ai une commande. Quand ils sont même là, il faut que j'appelle la cliente pour finaliser. J'ai une commande d'un anniversaire à livrer. Hein? J'ai le coquille qui m'attend à faire. J'ai une marmite de ndolé à faire. J'ai le poisson braisé à faire. Moi, je suis occupée. I am very occupied. Hein? D'accord? Donc, on ne m'achète pas. Vos PCR, allez chercher les gens à qui vous allez donner ça là-bas. Moi, on ne m'achète pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.